Selon les informations des médias britanniques, Meghan Markle travaillerait actuellement à l'écriture d'une autobiographie. Un livre dans lequel elle devrait balancer sur son mari, le prince Harry, n'hésitant pas à évoquer ses défauts. La vie de princesse, pas vraiment un conte de fées. Quand Meghan Markle a commencé à fréquenter le prince Harry, elle est immédiatement devenue la cible des paparazzi. Et l'officialisation de leur couple par le palais de Buckingham n'a pas calmé les ardeurs des photographes, prêts à tout pour obtenir un cliché du jeune couple. Des difficultés qui n'ont pas entamé l'amour naissant entre l'actrice américaine et le prince anglais. Meghan Markle a carrément décidé de quitter la série Suits, dans laquelle elle jouait depuis plusieurs années, et de quitter les États-Unis, pour emménager à Londres avec Harry. En mai 2018, Meghan et Harry se sont dit oui, et dans la foulée, ils ont révélé qu'ils attendaient leur premier enfant. Un garçon prénommé Archie, né en mai 2019. Si, sur le papier, leur histoire a tout d'une comédie romantique, la réalité est tout autre. La vie de Meghan Markle au Royaume-Uni est un calvaire, au point qu'elle a même eu des pensées suicidaires. En 2020, Meghan et Harry ont finalement décidé de quitter Londres pour Los Angeles et de se désolidariser de la famille royale britannique. Depuis, ils n'hésitent pas à dénoncer les agissements de Buckingham et ses membres. Et Meghan Markle pourrait encore le faire, a l'écrit cette fois-ci. Meghan Markle, ce livre sur lequel elle travaillerait actuellement selon les informations des médias britanniques, Meghan Markle travaillerait actuellement à l'écriture d'un livre dans la même veine que les mémoires d'Harry, intitulé Spare, le suppléant en VF. Dans son autobiographie, le frère de William n'hésitait pas à tacler sa famille. Reste à savoir si Meghan en fera de même. En tout cas, elle devrait évoquer son histoire d'amour avec le prince Harry, sans cacher les difficultés. Elle prévoirait même de dévoiler les défauts de son mari selon les informations du Mirror. Ça promet. Take a chance, you can just keep